Non, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas Olivier Jahan. Non, non. Ben, la plupart du temps, les gens avec qui j'ai tourné, c'était des gens que je ne connaissais pas avant, donc je ne sais pas très bien. Oui, sans doute, mais ce que ça provoque, je ne sais pas. Ça dépend un peu comment la personne vous met, à l'aise ou pas. Et puis, mais jusqu'à présent, je n'ai pas... Peut-être que le fait de retourner avec les gens donne une certaine liberté, donne plus confiance, oui. Ah, mais toutes les histoires sont les histoires d'amour, de toute façon. Non ? Mais Joachim, comme beaucoup d'autres réalisateurs, est quelqu'un qui aime bien travailler avec, avec les mêmes personnes, donc faire une sorte de collaboration à long terme et donc quand il y a un rôle qui lui il paraît me convenir dans un de ses films et il me le propose et c'est comme ça que ça se passe, comme il arrive aussi que au théâtre les mêmes metteurs en scène travaillent avec les mêmes acteurs et c'est plutôt un plaisir de retravailler avec les gens avec qui on a déjà vécu des expériences et de les proposer dans d'autres choses et voilà. Le Château de Sable, il était tourné il y a un an et demi déjà. Donc, la sortie du film, non, mais c'est ça qui est la sortie du film. Elle est, c'est une étape, mais j'ai eu beaucoup d'autres projets avant et puis j'en aurai après, j'espère. Oui.